va lancer un mouchard. Au moindre signe d'abstergo, sors-moi de là. C'est bon. J'ai un visuel. Hé, hey, salut. Tu dois trouver ça déstabilisant, alors écoute bien. Je m'appelle Bishop. Bon, c'est pas mon vrai nom, mais t'as pas besoin d'en savoir plus. Écoute bien ce que je vais te dire. Abstergo se sert de toi. Il pirate tes neurones dans le but de fouiller des mémoires génétiques. Cette organisation a déjà pris le contrôle d'un grand nombre de sociétés. Des gouvernements, des médias et des ONG. Mais maintenant, ils ont décidé de s'approprier l'histoire. C'est vraiment flippant, je sais. Mais notre mission est de les arrêter. Et on a besoin de ton aide. Digon, charge la séquence génétique AD16B13I87. Je te prépare ça. La semaine dernière, on a piraté une banque de mémoire non séquencée sur les serveurs Helix d'Abstergo. Pour le moment, on aimerait te faire explorer une partie de la vie de l'Arbre, que tu comprennes un peu mieux le combat qu'on mène. Après ça, tu pourras choisir pour quel camp tu veux te battre. C'est à toi de voir. Arnaud. Ne puis-je pas venir avec vous, père? Courage, mon garçon. Tu vas m'attendre ici. Et je reviendrai quand cette aiguille sera en haut. Ce sera très long. Moins long que tu ne crois. Et à mon retour, nous irons voir le feu d'artifice. Et Arnaud? Pas d'exploration, compris? Oui, père. Voleur, remets ça en place. Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe ici? Alors l'enfer. Que s'est-il passé? Repose ça tout de suite. Je m'appelle Arnaud. Élise. Je suis venue avec mon père. Moi aussi. Il a une affaire importante avec le roi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Chut. Écoute. Ne t'en fais pas, ils ne penseront jamais à nous chercher ici.
C'est de ma faute. C'est moi qui ai pris ces pommes. Viens, on va voir où ils vont. Allez. Monsieur Franklin. Allez. J'espère que cette affaire ne ternira pas l'image que vous faites de notre pays. Si nous jugions les nations à l'aune des actes de leurs criminels, nous mériterions d'être traités de barbares. Élise. Père? Viens ici, tout de suite. Père? Arnaud, regarde-moi.